Ce séminaire de Claude Lévi-Strauss avait lieu au 54 rue de Varennes, qui était le secrétariat de l'École pratique des hautes études, 6e section, donc future EHESS. Il n'y avait pas encore la maison des sciences de l'homme, n'était pas construite encore, etc. Donc tout ça était en plein mouvement. On était dans la grande ère, la grande expansion qui a précédé les crises, qui ont précédé 68 en particulier. Et puis, donc, moi, j'étais venu en uniforme de soldat, service de santé, j'étais caporal, je suis devenu, à la fin, j'ai eu la promotion de caporal-chef quand j'ai fini mon service. Et puis là, il y avait ceux qui sont devenus mes futurs collègues plus tard, donc Godelier, Clastre, Belmont, Nicole Belmont, bref, tous les gens qui avaient quelques années de plus que moi et qui étaient soit déjà au CNRS, soit à l'école ou des doctorants. Il y avait Françoise Morin qui était doctorante et puis bref. Et donc, j'avais jamais pensé me présenter au CNRS. Et pour moi, Lévi-Strauss, avec qui c'était la première rencontre, on me l'avait présenté quand j'étais étudiant à Montréal comme un savant un peu snob qui était très prisé dans les salons parisiens et qui parlait bien. Ses livres, on ne les faisait pas véritablement travailler. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait quoi ? La pensée sauvage. Il y avait totémisme, le totémisme existe-t-il? C'était pas dans... Alors, évidemment, les structures élémentaires de la parenté, mais j'avais pas appris les structures élémentaires de la parenté et la théorie, disons, la théorie de l'échange et de l'alliance inspirée de Mauss, de théorie de l'échange. On nous parlait plus de filiation et puis des typologies murdochiennes, donc de l'anthropologie américaine. Et donc, pour moi, ça a été une grande découverte et extrêmement intéressante, parce que très logique. Si maintenant, j'en suis arrivé, à partir de l'exemple inuit, à considérer qu'il faut les deux, et y compris y introduire la dimension supplémentaire de la parenté symbolique, ce qui veut dire que le système inuit bouleverse et traverse les deux, alliance et filiation. Et que si les grandes théories se sont construites sur l'unilinéarité et les structures élémentaires de la parenté, c'est ça que ça veut dire, des sociétés unilinéaires avec un choix du conjoint très délimité. Et donc là, on retrouve échanges complexes, généralisés. Mais les sociétés inuites relevaient plutôt de ce qu'on appelle la parenté complexe, société soit cognatique ou bilatérale ou indifférenciée. Alors, je dois dire qu'avant de partir, Balixi m'avait dit, Saladin, il y a le congrès de l'ACFAS au début de l'automne, donc un peu avant mon départ à Ottawa. Il faut absolument que vous veniez présenter une communication. Un doctorant qui, enfin, un finissant, un gradué au niveau maîtrise ou presque gradué, doit faire une présentation. Donc, je m'y étais rendu et j'ai fait une présentation sur structure bilatérale et, sur la parenté, donc bilatérale, inuite. Alors, je précise, au départ, les sciences humaines étaient assez rassemblées, enfin, ce qu'on appellerait maintenant les sciences sociales, mais même les sciences humaines. Il y avait dans la même session Louis-Edmond Hamelin, Fernand Dumont, les sociologues, Guy Rocher, les gens de Laval, Marc Adélard Tremblay. Et là, je fais ma présentation sur ce système de parenté inuit. Et à la fin,
un présent qui était là, s'approche de moi et se présente Fernand Dumont, qui venait d'être nommé, je pense, directeur du département de sociaux à Laval. Et il me dit, écoutez, j'ai bien aimé votre exposé. Nous avons décidé de lancer à Laval un programme d'anthropologie et nous cherchons des collaborateurs, même à temps partiel, et on serait très intéressé à vous avoir. Alors je lui dis, mais écoutez, ça m'honore beaucoup, mais là j'ai deux obligations prochaines, c'est mon service militaire et ma scolarité de doctorat. Il me dit, mais ce n'est pas une question d'urgence, quand vous serez prêt, faites-nous signe et on est intéressé à faire quelque chose avec vous. Alors j'ai mis ça en arrière-plan de ma mémoire, mais ça m'est revenu plus tard, plusieurs années après. Alors, je vais voir Madame Falk. Je dois dire aussi, non, je vais voir Madame Falk qui m'avait rencontré et elle accepte de me faire une lettre de recommandation pour le CNRS. Bernaud, Tarditz et Métro n'étaient plus là, et malheureusement, mais Pete Rivers l'avait remplacé. Donc Bernaud et Tarditz me font de belles lettres aussi et je présente ma candidature. Et je pars au service militaire. Enfin, je continue mon service militaire. Donc, on était en 63, l'automne de 63, donc 64. Et voilà qu'en 64, j'apprends la réponse du CNRS. Vous êtes cinquième ex aequo et il y a 5 postes. Alors, c'est le directoire qui va décider. Et puis, j'apprends un peu après que je n'ai pas été retenu. Alors, j'écris à Lévi-Strauss en le remerciant de son appui, parce qu'il avait sans doute donné aussi une lettre, comme quoi il était prêt, il s'intéressait à mes recherches. Et Lévi-Strauss, je l'ai assez après, téléphone à Monbeg, qui était un américaniste et qui présidait, qui avait un poste placé au CNRS et qui présidait le directoire. Et Monbeg lui dit, mais ça l'a d'un anglais, il a déjà un poste. Comment il a déjà un poste? Mais absolument pas. Il est encore au service militaire. Alors il dit, mais il y avait là, comment s'appelle-t-il, un des directeurs du Musée de l'Homme, ou sous-directeur, je ne sais plus, qui avait dit, ah mais... on a un poste pour Saladin d'Anglure comme assistant de recherche au Musée de l'Homme. Donc j'imagine que via soit Gessin, soit je ne vois pas qui d'autre, parce que Lotval que me connaissait et m'avait fait au contraire une aide d'appui, quelqu'un était intéressé à m'avoir. Et parce que je suivais en même temps les cours, ce qu'on appelle le CFRE, Centre de formation à la recherche ethnologique, en doctorat, au Musée de l'Homme, à l'Institut d'ethnologie. Donc, il y avait toute l'équipe de Leroy Gourhan qui était là. Là, j'ai rencontré Savard et Pierre Desi, qui faisait aussi la scolarité de doctorat. Et donc, j'étais ravi de retrouver Leroy Gourhan, donc avec qui j'ai fait le premier travail sur un forêt à arc gravé de Picloglis sur la chasse à la baleine. J'en ai fait une interprétation liée au mouvement du forêt à arc, tu vois, la structure de l'image, etc. Et j'avais eu, je pense, la meilleure note ou la deuxième note du groupe pour ça. J'avais agrandi les images et j'avais décrit, analysé ça. Bref, alors, Lévi-Strauss me dit ça. Et puis, 15 jours après, j'apprends qu'un de ceux qui avait été nommé parmi les 5 n'avait pas obtenu son détachement de l'enseignement. Et du coup, c'était moi le suivant sur la liste qui passait. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé derrière mon dos, de part et d'autre, mais pour dire que ce n'est pas simple, la vie professionnelle, que d'une part, on a besoin de jeunes
chercheurs, surtout si on pense qu'ils ont des idées intéressantes. Mais en même temps, il y a à l'intérieur même d'un pays et des structures des antagonismes entre institutions, universités, groupes de recherche, etc. Enfin bref, ça a été la nouvelle formidable. Et donc, on m'a dit que dès la fin du service, fin de 1964, j'intégrerai. Et c'était à ce moment-là, avenue d'Iéna encore, le LAS. Et là, je suis venu voir Kiva, qui était le secrétaire général du laboratoire. Et alors, à ma grande surprise, il me tient un langage encore autre. Il me dit, Saladin d'Anglure, je pense que l'idéal serait que vous abandonniez pour quelques années votre orientation vers les Inuits. On a un gros projet d'équipe qui se prépare pour l'Amérique du Sud, une équipe genre concertée, enfin, tu vois. Et il y a Clastres, il y en a qui vont aller enfin, au Venezuela, etc. Et ce serait précieux pour nous que vous vous y joigniez. Alors là encore, émotion. Et puis, peu après, une demi-heure après, je rencontrais Lévi-Strauss, pas un mot de tout ça, et qui me dit, ben, j'espère que vous allez pouvoir creuser, puis retourner sur votre terrain. Et... Alors je dis, ben, c'est le plus cher de mes projets, et j'aimerais bien, dès 65, on était sans doute en janvier, dès le printemps prochain, pouvoir repartir sur le terrain. Et puis, bon, j'entends plus parler de l'Amérique du Sud, mais c'est pour dire que même à l'intérieur d'une équipe, il peut y avoir des options ou des opinions qui divergent. Et pour moi, pendant tous ces séjours, depuis cette époque, et dans le fond jusqu'à sa mort, j'ai pu développer une relation de confiance indéfectible de part et d'autre avec Lévi-Strauss. Je lui ai fait confiance, il m'a fait confiance, il n'avait absolument pas besoin de moi pour ses recherches personnelles, même si je lui ai apporté parfois, j'ai gardé certains de ses exemplaires, avec, il m'a mis des dédicaces, me remerciant pour la dépouille de plongeon que je lui avais offerte, et qui lui a servi dans son volume où il accorde une importance particulière au plongeon. Et puis, bref, il y a quelque chose qui a passé. Et puis à chaque fois que je revenais en France, il me disait « prenez pas de rendez-vous, ma porte est ouverte n'importe quand je suis au collège, vous venez ». Et puis, et ce que j'ai fait souvent quand je revenais. Alors, je me suis trouvé subitement dans une équipe formidable. Il y avait d'un côté Godelier, qui avait le bureau voisin du mien. De l'autre côté, il y avait Clastres. Eux ne se parlaient plus depuis assez longtemps, enfin du moins le moins possible. Et puis moi, ben, dans le fond, les deux m'intéressaient. Avec Clastres, on a eu une amitié qui a duré longtemps. Et j'ai même été... Et alors, parmi les jeunes qui arrivaient et qui venaient soit en stage au laboratoire et qui y sont entrés après, il y a eu Yvonne Verdier. Et Yvonne Verdier, j'avais des liens par alliance avec la famille de son mari qui s'était trouvé à Normale-Sup en même temps que certains de mes beaux-frères. Et puis elle était sympa et on a beaucoup dialogué et elle s'intéressait beaucoup à tout ce que je racontais, surtout quand je suis retourné sur le terrain, j'ai participé à une longue enquête de nutrition. Elle s'intéressait beaucoup aux pratiques alimentaires. Elle avait fait un très bel article dans L'Homme sur ses pratiques alimentaires. Et plus tard, son livre « Façon de faire, façon de dire » est une œuvre magistrale, dans le fond, sur la reproduction sociale, mais vue côté féminin. Et donc, moi, j'avais apporté un point de vue basé beaucoup sur des témoignages féminins, mais j'arrivais avec mon approche d'homme. Et j'étais
peu initié au monde féminin qu'on peut vivre de l'intérieur quand on est femme. Mais jamais non plus, elle n'a exclu qu'un homme puisse s'exprimer à ce sujet, comme certains courants féministes qui dénient aux hommes la capacité de pouvoir comprendre ce qu'est la position de dominer, disent-elles, dans une société. Alors que je crois, moi, qu'il y a autant de types de femmes que de types d'hommes. Il y a des dominants, il y a des dominés de deux côtés. Et puis être dominé ne veut pas dire qu'on n'est pas complémentaire. Et ce n'est pas forcément une oppression. Il y a aussi une question de tempérament, d'affinité et d'éducation. Et les Inuits ont compris ça depuis très longtemps. Et moi, le jour où j'ai découvert, chez Jean Briggs d'ailleurs, que quand un garçon avait reçu une identité féminine, on était très heureux de le fiancer à une fille, petite fille, qui avait reçu une identité masculine. Ils avaient compris qu'il y avait là une complémentarité. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé, même si Briggs était donc psychologue de formation, n'a pas exploré la portée sociale de ceci en termes d'intervention sociale et lien social où le groupe intervient sur un choix individuel, ce qui a été ma position à moi tout le temps sur ce plan. Alors, donc, ma vie est très vite, on a déménagé au Collège de France. Quand je dis mon bureau, c'était là au collège, dans le vieux collège. Dans l'étage supérieur, on avait des petites lucarnes qui donnaient sur le quartier latin. Et c'est là que classe était d'un côté. Et les ethnologues exotiques, comme on les appelait au LAS, étaient à l'étage au-dessus. Les ethnologues de la France étaient à l'étage en dessous. Alors, il y avait quand même... Mais j'étais quand même... J'avais des liens avec Françoise Zanabent, Nicole Belmont. Et donc... J'ai d'abord passé une très longue mission en 66-67. Donc, j'ai eu une mission de près de 18 mois. Donc, j'arrivais, mettons, un peu en avance. Montréal m'avait demandé, la première année, de venir... Donc, c'est possible que ce soit en 66, on préparait l'exposition universelle de 67, de venir en 66 pendant 2 mois pour emmener avec moi, ils savaient que j'allais sur le terrain, 3 étudiants de Montréal. Le centre d'études nordiques financerait leur terrain, mais il fallait les choisir d'abord et puis les préparer par un séminaire et un cours sur les Inuits. Et je suis arrivé, donc Balixi et Savard étaient présents là. Moi, Savard, je l'avais connu en France, chez Mallory. J'ai connu là-bas Renaud Santerre aussi, qui était en doctorat à Paris. Et Savard, j'étais assez ami, nos deux familles étaient amies, et on se voyait souvent. Lui n'avait jamais été sur le terrain inuit, ni ailleurs. Mallory l'avait recruté à Laval. Et ça m'avait un peu influencé aussi quand il s'est agi pour moi de m'inscrire au doctorat à Paris. Savard y était allé directement de Laval après le passage de Mallory une fois. Et donc, je lui fournissais des termes ou même des interprétations. Je me souviens lui avoir fourni qu'il fallait regarder le mythe Sœur Soleil qui s'élève en tournant autour de l'île Loup en spirale. Et puis le mythe de la femme qui se transforme en narval, qui est une autre forme de spirale, mais descendante, et qui l'a introduit dans sa thèse. Mais bon, donc on a été très liés pendant quelques années, et plus tard, nos rapports se sont un peu distendus. Un peu plus tard, on a été invités ensemble à un colloque organisé par Maranda, et puis au musée des ATP, des arts et traditions populaires. Et on s'était retrouvés. Bon, je l'ai invité chez mes parents qu'ils avaient connus. Et puis, à ce moment-là, bon, c'est donc plusieurs années après, je m'étais séparé de Geneviève. On avait
pas eu d'enfant. On avait adopté une petite fille qui avait reçu le nom, d'ailleurs, le prénom de sa narque à ce moment-là, et qu'elle a gardée, mais donc j'ai gardé toujours contact avec elle. Et j'ai eu, un peu plus tard, un enfant qui est Guillaume. Et donc j'avais emmené Guillaume avec moi et s'est posé le problème. Je crois que ça, c'était, on était rendu déjà plus tard dans le temps, le problème du retour à Montréal de Guillaume, que sa mère voulait avoir, je ne sais plus si c'était pour Pâques ou pas. Et Savard, ayant appris ça, quand il était venu chez mes parents, m'a proposé de le ramener. Enfin, bref, on s'était bien connus, comme j'avais connu aussi Santerre, qui finissait son doctorat. Et puis, alors, au séminaire de Lévi-Strauss, c'est là que j'ai rencontré Simonis aussi, qui est arrivé un jour, il venait de publier Lévi-Strauss ou la passion de l'inceste, et on est devenus aussi amis. Il rêvait de partir au Québec, et du coup, entre-temps, donc, après cette expérience à Montréal, où j'avais emmené Doré, Magnan et notre collègue d'Ottawa, Université d'Ottawa, Guédon, Marie-Françoise Guédon, chacun dans un village. J'avais été les voir, Magnan à Kangersuk, Doré à Croartin, que j'avais été les voir sur le terrain, et qui ont fait des maîtrises, sauf que Magnan, lui, est passé après, je pense, dans l'administration, il a peut-être opté pour la sociologie, je ne sais pas, mais il est devenu un administrateur universitaire. Quant à Doré et Guédon, on fait chacun une carrière tout à fait intéressante. Et, mais Balixi m'avait dit, écoutez, on est intéressé à votre retour à vous engager comme chargé d'enseignement senior. À mon retour du terrain, après les 2 mois. Donc, on était... Donc, 65 ou 66, ça, il faudra que je vérifie bien. Et quand je suis revenu, alors moi, j'ai demandé mon détachement à CNRS, que j'ai obtenu, donc je préviens Balixi, et puis j'apprends que Balixi avait oublié de transmettre mon dossier au doyen, et donc il n'y avait pas eu de création de poste. Et alors Balixi m'a dit, écoutez, je vais m'arranger avec la DGNQ, etc., et alors, il a négocié avec le bureau de la recherche de la DGNQ pour m'obtenir un poste de conseiller scientifique, mais avec possibilité de résidence à Montréal, de délivrer cours et séminaires à Montréal et de venir une fois par mois à Québec pour des réunions sur des sujets qu'il me soumettait, de faire des rapports sur les sujets qu'il me demandait. Et donc, pendant un an, j'ai fait ça, mais pour dire, c'est pas toujours simple d'être dans son alma mater, de revenir dans son alma mater. Il y a certaines pesanteurs, et puis bon, on est quand même l'ancien étudiant. Enfin, ça veut pas dire qu'il y a pas des expériences très réussies. Et donc, bon, j'ai passé une année, mais à ce moment-là, j'ai eu des contacts avec Laval, et je me suis souvenu de l'offre de Dumont. Car Montréal aurait voulu que je démissionne du CNRS pour venir à temps plein chez eux. Et moi, ben, je n'étais pas prêt dans ce milieu quand même privilégié, surtout en France. J'aimais beaucoup. Mais en même temps, j'étais très content de l'ouverture d'esprit de Montréal. Alors j'écris à Fernand Dumont, qui me répond très gentiment. Il me dit, j'ai transmis votre lettre à Marc-Albert Tremblay et à Albert Doutreloup, qui m'ont convoqué et qui m'ont tout de suite fait signer un contrat pour 2 mois par an pendant les années qui suivaient. Et donc, c'est ainsi que je suis venu à Laval régulièrement et que dès la troisième année, alors, j'ai tout de suite fait, dès 67, quand j'ai eu signé le contrat, une demande au Conseil des Arts sur leur conseil pour une subvention d'équipe. Il y avait des candidats,
à la maîtrise à venir, pour venir avec moi, être encadré, venir sur le terrain. Et j'ai emmené dès 68, j'ai emmené au moins 3 étudiants. Dans mes souvenirs, ça devait être Michel Audette à Povonito, Denis Lachance à Inoujouac et François Trudel aux îles Belcher. Et puis j'ai été les voir sur le terrain. Et donc ça a été le début d'une petite équipe. Et Doré faisait son doctorat à Paris. Il logeait, il louait une chambre chez mes parents, Cité des Fleurs, où était aussi Colis, Dermot Colis, que j'avais connu étudiant en 60 à Montréal. Et apparemment, mes récits de voyage l'avaient fasciné et décidé de se réorienter vers l'inuitologie en linguistique. Et c'est comme ça que, donc, a démarré à Laval cette équipe. Alors, bon, je gardais quand même quelques liens avec les étudiants de Montréal et avec Doré en particulier. Et l'épisode suivant, ça a été la crise de post-68, donc 70, dans les universités canadienne et québécoise, et puis au département de sociologie et anthropologie, et jusqu'au jour où il y a eu grève étudiante, grève des anthropologues contre les sociologues, et blocage. Une commission a été nommée, un comité par la faculté, pour trancher, faut-il un nouveau département ou faut-il supprimer l'anthropologie ou continuer en restructurant le département de sociologie et anthropologie.